Salut tout le monde, c'est Reptalion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur encore un unboxing. Mais ce qui me semble plutôt étrange, c'est qu'on voit le symbole d'Hightech et que si je regarde bien, c'est écrit Journal du Geek rayé. Donc je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, on va commencer l'unboxing. Alors, on va ouvrir le petit carton. Le chat qui a eu peur juste à côté. Je me demande pourquoi. De toute façon, ça va encore être aléatoire comme d'habitude. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je n'ai rien vu du tout. Donc alors, on va prendre déjà ça. Alors, c'est un bouquin sur... je sais pas trop. Alors, Fear Agent. Donc c'est un bouquin comme d'hab, quoi. On avait eu Docteur Who, je m'en rappelle, dans une autre... je sais plus si c'était Hightech ou JDG. Mais là, je sais même pas. À mon avis, ça me semble que c'est Hightech. Mais... franchement, je saurais pas vous dire, vu qu'il y a le logo d'Hightech et que c'est écrit JDG. Même si c'est rayé, ça me semble quand même très étrange. Et du coup, on a ça. Oh, on a une petite figurine Transformers. Donc, c'est plutôt sympa pour les enfants. Et je vois qu'il y a une carte inclue. Donc, voilà. Il y a une carte aussi avec. Et c'est Hasbro. Ah, on a... encore un manga, je m'en rappelle, on en avait sur un des qui m'en rappelle bien, c'était Platinum N. Donc là, du coup, c'est Last Man, que je connais pas du tout. Je sais pas si c'est un manga, du coup. C'est une bande dessinée, c'est sûr et certain, mais que ce soit un manga, je sais pas. De toute façon, je lirai plus tard. Donc, du coup, je sens un t-shirt. C'est quoi ça? Ah, j'ai une batterie externe. Donc ça, c'est tout simplement une petite batterie externe. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un peu comme un chargeur que je pourrais trimballer de partout. Par contre, elle est vraiment très très... elle est pas pleine, hein, la box. Il n'y a pas grand chose. Donc ça. Ouais. C'est un petit bracelet. C'est quoi comme bracelet? Silicone ou Earthbound, je sais pas. À mon avis, c'est en lien avec la sortie de Doctor Strange. D'ailleurs, je sais même pas si la box de quel mois. Par contre, elle va être très très courte. Hein. Du coup, j'ai ce machin. Ok, c'est un petit pendentif. Donc de Doctor Strange encore. On a aussi. Là, j'essaie de regarder. On dirait une main. Ouais, c'est ça, à mon avis, c'est. Comment ça s'appelle? The Walking Dead, je pense. Je sais pas du tout à quoi ça fait référence. Et du coup, c'est déjà la fin de l'unboxing avec le t-shirt. Donc, on voit une sorte de porte de western. Non. De bar western. On va voir ça tout de suite. Par contre, c'était vraiment très très rapide. Et on était donc sur de du JDG Box. Vous voyez, je pensais que c'était le logo d'Hightech, mais non, c'est bien une JDG Box. Donc du coup, là, avec le petit récapitulatif, donc, c'est le moment d'essayer la petite t-shirt. Voilà. Je ne respecte plus rien. J'ai explosé le plastique. De toute façon, on s'en fiche du plastique, c'est pas le plus intéressant. Alors, du coup, non mais je vais me lever pour que vous voyez mieux. C'est un peu un t-shirt de... je sais pas quoi il fait référence, pas du tout. Communauté Sanctuary for All. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça m'a fait gagner un t-shirt. Donc du coup, c'est déjà la fin de cet unboxing, qui était vraiment, vraiment très rapide. Il n'y avait pas grand-chose dans cette box. Si, on va faire le tour du récap. Donc du coup, alors, on a eu la figurine Transformers, qui est juste là, d'une valeur de 12€. Après, on a eu l'accessoire smartphone, donc ça... j'aime bien la description. C'est l'accessoire indispensable si vous avez un smartphone et encore plus si vous jouez à Pokémon Go.
Donc voilà, c'est bien c'est une référence à Pokémon Go, j'imagine. Donc la petite batterie externe qui vaut 10 €. Après, donc c'est ça, c'est bien The Walking Dead. Donc attendez, que je retrouve mon PC. Là. Donc ça, par contre, c'est une valeur de 20 €. Donc si vous ne comprenez pas... Ah non, c'est le t-shirt. Si vous ne comprenez pas ce t-shirt réalisé par Sergent Tobogo, c'est que vous n'êtes pas un vrai fan de The Walking Dead. Ok, donc c'est un t-shirt de The Walking Dead. Je savais pas du tout. Et après, donc on a Last Man, qui est le manga 100% français édité par Casterman. Ok. Donc lui, il vaut 8,50 €. Ça vaut 8,50 € ce manga. Donc si vous voulez l'acheter, vous savez le prix. Donc du coup, il y a l'univers de Strange Man avec le petit médaillon, le petit truc qui est passé. Voilà, qui est juste là. Après, on a un magnète. Ok, donc ça, c'est même pas The Walking Dead du tout. C'est vraiment. Ils ont mis ça comme ça. Et après, on a le petit bouquin. Voilà, qui vaut 2 €. Et le magnète, il vaut 5,50 quand même. Et donc, il y a un bonus. Nous sommes heureux de vous inviter à la Games Live. À la Geeks Live. Ok. Et on aurait quand même pu avoir ce genre de choses. Donc, il y avait une Play 4 et un robot aspirateur. Non, c'est une Xbox One. Et un robot aspirateur. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, les amis. Tchuss!